YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, nouvelle session, nouveau jour et donc nouveau problème. Dans l'épisode qui va suivre, sache qu'on va vivre soit le plus bel épisode de cette série, soit le pire ever avec toutes les morts et tous les échecs. Je t'explique. On s'apprête à vivre l'un des moments les plus incroyables du jeu, à savoir le carnaval de Venise. Le délire étant, c'est que pour cette aventure, tu sais, on joue des gages et des défis. Dans cet épisode, je n'ai pas eu de chance, parce que dans l'épisode précédent, je suis mort plusieurs fois, et donc j'ai choisi, pour un certain palier de mort, d'avoir des défis et autres challenges à gérer pour des épisodes. Le délire, c'est que là, je suis mort trois fois, et les trois morts que j'ai eues vont me donner des défis qui s'accordent, mais parfaitement, ou alors pas du tout, à ce qui va se passer. Tu le vois déjà à l'écran, je n'ai pas d'HUD, je définis HUD, je n'ai pas d'interface, d'accord? Je n'ai pas de barre de vie, je n'ai pas de points au-dessus de la tête des ennemis, donc je ne sais pas qui me voit et quand je suis vu. Je ne sais pas non plus où se trouve ma cible. Bref, j'ai zéro information pour cet épisode, ça va être une catastrophe. J'ai un défi qui va m'être imposé jusqu'à la toute fin de l'aventure, donc lui je ne peux pas le changer. Je n'ai plus le droit de me cacher dans autre chose que dans les tas de foin. Les bancs n'existent plus, je ne peux plus plonger la tête sous l'eau, et je n'ai plus le droit aux petites huttes, tu sais, sur les toits. Donc ça va être terrible. Autre chose, je n'ai le droit qu'aux courtisanes. Les mercenaires et les voleurs ont été désactivés. Autre chose, parce que bon, comme ça, tu pourrais te dire, bah, ça va, tu vois, c'est le carnaval, ok, on va rire. Si jamais je me fais repérer, et donc qu'un garde engage le combat, c'est mission fail, c'est considéré comme une mort, et en plus, je recommence la mission. On va se marrer, y a des chances pour que cet épisode ne dure pas plus de 25 minutes, hein, parce qu'à un moment, ma patience a des putains de limites. Messieurs, dames, allons-y. Antonio, il faut qu'on parle. Ezio! Ezio Auditore! Teodora, je te présente le plus talentueux des hommes de Venise. Madonna? Ah, c'est vous la sœur Teodora. J'ignorais que tu avais décidé d'embrasser la religion. La religion peut prendre différentes formes, mon fils. Les femmes aussi ont droit à la rédemption. En douterais-tu? Bien! Joins-toi à nous! Prends un verre! Avec les filles! Oh! Assassin! Boucher! Il a tué Lucia et il lui a pris son argent! Eh bien, messer Ezio, c'est l'occasion de nous montrer tes talents. Arrête-le! Ah ouais, d'accord, ça commence assez fort. Demoiselle en détresse, damn! Écoutez, la bonne sœur est plutôt bien... Elle est très sain. Pour chasser et tuer le meurtrier, messieurs dames, allons-y, dans une poursuite engagée. Tuer le meurtrier. Ah, alors attends, parce que là, ça commence directement avec une histoire de recherche et un gars que je ne vois pas. Je suis con, j'allais mettre un point sur sa tête. Ah, attends. On va se marrer, hein. Donc moi, je viens d'ici. Ok, je vois, c'est par là. Alors, il y a des chances pour que dans cet épisode, on joue fort fort, voilà, avec la vision d'aigle. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que... Il a quoi, le monsieur, là? Pourquoi il embrouille... Pourquoi il embrouille les courtisanes? Oh, cow-boy! Viens voir! Alors, par contre, petite info comme ça. Si jamais une mission de scénar m'impose de me faire repérer pour en finir avec la mission... Oui, je me ferai repérer parce que bon, ça reste le scénar. On est bon, demoiselle en détresse, mission complete. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Ce n'est pas une mission, je viens de boucler ma mission. Par contre, attends, l'histoire là en gros, c'est que je viens de me faire repérer au moment. Ah, blap. Où j'ai tué un assassin. Enfin, je veux dire, comment dire, je viens de secourir des demoiselles en détresse. À partir de là, on est bon. Ok, c'est la fiance. C'est la fille. Ah! Ah, blab! Ah, c'est compliqué. Je suis pas en mission, hein, ça compte pas. Par contre, le délire, c'est que là. Pourquoi vous me poursuivez, en fait? Je comprends pas. Je me suis occupé d'un gars qui foutait le zbeul. Genre, je sais pas, au moins demandez-moi. Tu me diras, il voit un mec tué dans la rue. Les mecs, ils se posent pas mille questions, hein. Attends. Moi, je veux pas me battre, en fait. Je veux courir. Ah là là! Attendez.
Oh là là, les boules fumigènes, je vais tellement en abuser. Mesdames, toi, casse-toi, s'il te plaît, il me faut un tas de foin. Il me faut un tas de foin. Il me faut un tas de foin, je sais même pas. Où est le scénar? Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et je crois que je suis de retour. Oh yes. À la maison close. Eh, incroyable. Quel sens d'orientation. Insane. Voilà, donc cet épisode va ressembler à peu près à ça. Sauf que là, on a eu beaucoup de chance. Nous te sommes reconnaissants, Tetsuo. Les ennuis te suivent partout. Où que tu ailles. Antonio. Tu sais pourquoi je suis ici. Pour débarrasser Venise de Marco Barbarigo. Franchement, Ezio, tu vas pas remettre ça. Le nouveau doge est un trop gros poisson, tu peux me faire confiance. Ce templier ne quittera jamais son palais. C'est vrai, sauf dans la soirée. Marco ne peut pas manquer le carnaval. Et comment le sais-tu? Il va donner la plus grande fête jamais organisée. Mais y assister ne sera pas facile. Il te faudra un masque d'or pour entrer. Il ne va pas croire qu'il suffirait d'en fabriquer un, car vois-tu, Ezio, chaque masque est numéroté. Mais rien n'est perdu. J'ai peut-être une idée. Nous allons t'aider à remporter un masque. Ah, j'ai compris mieux. C'est pour ça que je me rappelais pas de ce masque-là. C'est parce qu'à tous les coups, je vais avoir un vrai masque. Pas cette espèce de fausse doublure dégueulasse. Nonobstant, ce fesse. Parlez de Marco Barbarigo avec Théodore. D'accord. Oui, qu'y a-t-il? Tu veux me demander quelque chose? Ok. Oui. Pardonne-moi, mais pourquoi t'habilles-tu comme une nonne si tu n'en es pas une? Oui, effectivement, j'ai la même question. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Détrompe-toi, mon fils. Je suis mariée au Seigneur. D'accord, mariée, mais du coup, tu t'es trompée d'église, ma sœur. Hein, tu es une courtisane. Oui, et alors? Je ne vois pas où est la contradiction. Je vis ma foi comme je le fais. D'accord. Je fais ce que je veux de mon corps. Ce sont des choix qui ne regardent que moi. Oui. Comme de nombreuses jeunes filles, j'ai été attirée par la religion. Mais j'ai très vite été déçue par les soi-disant fidèles de cette cité. Pour la plupart des hommes, Dieu n'est qu'une idée très abstraite. Ils ne touchent ni leur âme, ni leur cœur. Les hommes doivent apprendre à aimer s'ils veulent trouver la rédemption. L'amour, c'est ce que mes filles et moi leur offrons. Puis j'ai compris qu'aucune église ne partagerait ma vision des choses. J'ai décidé de fonder la mienne. Elle n'est pas très conformiste. Et grâce à moi, jour après jour, le cœur des hommes grandit. Ah bah oui, c'est le plus petit paradis du monde, hein, mais c'est sympathique comme idée. Où c'est qu'on signe pour la religion? Non, parce que... Ah, je trouve qu'il y a des arguments. Ah, quand même. Bien, alors comment ça va se passer? Est-ce que ça va être une espèce de... Je sais pas, de tournoi de défi peut-être? Approchez. Les jeux du carnaval vont bientôt commencer. Vous aussi, vous pouvez participer et tenter de remporter un prix des plus prestigieux. Cette année, comme chaque année, ce superbe masque d'or permettra à un et à un seul d'entre vous d'assister au bal qu'organise notre doge bien-aimé. Comment ne pas être tenté par une récompense aussi flatteuse? Venez, entrez en lice. Ce soir, celui d'entre vous qui aura été sacré champion dans chacune des quatre épreuves aura l'honneur d'être l'invité personnel du doge. Nous comptons sur toi, Ezio. Ouais. Je peux apporter mon point de vue dans cette histoire? Pour moi, c'est truqué. C'est quand même étrange d'organiser quand même un carnaval en sachant qu'il y a un assassin qui rôde. Parce que le carnaval est organisé par un templier qui est au courant de la situation. Et de proposer un seul masque à quiconque réussira les quelques défis proposés lors du jeu. Moi, je dis que c'est un piège. Genre, au moment où je veux obtenir le masque, ça va être l'assaut général parce qu'ils vont se dire l'assassin c'est forcément lui, tu vois. Ok, alors attends, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ok, j'ai trois défis qui sont apparus et il va falloir les gérer. Ça me dit un truc, cette histoire de défi là. Ah, attends, c'est par où? Ah! Je crois que tu es un défi, toi! Signori, signori! Le prochain défi est peut-être le plus facile de tous ou le plus dur, qui sait? Eh ben allons-y, on verra bien. Messieurs, peu importe l'issue de cette épreuve, je suis certain que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Dames, voilà comment ça va se dérouler. Toutes les dames de ce quartier ont des rubans. Vous devrez les récupérer. Celui qui en rapportera le plus avant que le temps ne soit écoulé pourra caresser l'espoir de remporter le prestigieux masque d'or.
Ok, alors juste par contre, me dites pas que les rubans sont indiqués par un voyant de l'HUD parce que sinon on est dans la mouise. Obtenez plus de rubans que les autres concurrents auprès de ces dames. Let's go. Let's go. Faut choper des queues, genre. Attendez, voler des rubans aux jeunes femmes du quartier. Alors attends. Attends, mais elles sont précisées en plus, elles sont balisées de fou. Attends, c'est lesquelles les jeunes dames? Attends, je l'ai pas là. Me dis pas, elle se déplace. Me dis pas, elle se déplace. Je vois pas les nanas. Attends, c'est terrible. Damn. Attendez. Il faut que j'arrive à en récupérer une. Si j'arrive à en récupérer une, je saurai à quoi elle ressemble. Vous faites partie des dames. Je sais pas. Damn. Attendez, hein, parce que je tente de voler les portefeuilles. Je vois personne. Attendez. Ça fait penser à une mission du même style dans Assassin's Creed en coop. Ah ouais? J'arrive pas à savoir. Elles sont en surveillance bleue avec la vision d'aigle. Mais non! Ce qu'on voyait, c'était les... C'est pas les dames qu'on voit. C'est les parleurs. Enfin, c'est les... ceux qui racontent les trucs aux gens, là. Oui, c'est les parleurs, quoi. Les crieurs, cherchez. Damn, attendez! Je sais même pas s'il y a du temps, je vois rien! LED! Attends, faut vraiment que j'en trouve une, en fait, pour capter. Attends, mais c'est où? Je comprends rien. C'est... Je suis dessus, là, en fait. Mesdames, c'est vous? Vous avez volé un petit lot de rubans. D'accord. Donc, c'est vraiment toutes les nanas, en fait. Genre, elles, c'est des rubans. Ah, d'accord. Ok, je capte. Ok, je capte. Ça le fait. Ça le fait. Ok, c'est les groupes de 3 nanas. Du style... attendez, elles sont pas 3. C'est vous? Ok, c'est vous. Vous avez volé un lot important de rubans. C'est bon. C'est bon. Est-ce que je suis toujours dans le carnaval là? Ouais, on est pas mal. Attends, il y en a sur le pont là? Comment ça, il y en a sur le pont? Là! Ok, vraiment tous les groupes de nanas en fait. Let's go! Vous êtes très entêtés cet après-midi. Quoi? Mais vraiment? Mais comment je fais? On est pas mal. Alors, où en est-on? Là, j'ai fait une belle brochette, hein. Il en reste pas mal, hein. Dis donc. Est-ce que cette mission est timée? Est-ce qu'il faut que je joue jusqu'à ce que ce soit terminé? Oula. Ok, d'accord, donc dès qu'il y a des gardes, on l'ignore. Let's go. Ok, elle est marrante cette mission. J'aime bien. Alors, il me reste 2 groupes de damoiselles. Un groupe ici. Alors, voilà, mesdames. Quelque chose pour moi. Et techniquement, il doit me rester un groupe. Ah bah, j'ai gagné. Ah bah, tip top. Nous avons un vainqueur. Pouah, franchement, je pensais pas. Que quiconque dans cette assistance. Vous êtes incontestablement le favori de ces dames. Continuez comme ça et le prix le plus prestigieux de tous les temps vous reviendra. Non mais en vrai j'ai capté pourquoi je me suis fait repérer tout à l'heure, hein. C'est même pas une histoire de ça, je pense que c'est juste que le jeu de base c'est voler quelqu'un égale se faire assaillir par les gardes. Et qu'à mon avis ils ont juste pas programmé la mission pour que au moment où tu joues la phase des rubans, ce soit juste un mini-jeu et pas un vol de base en fait. Aïe. Il y a eu une mort en volant en dame. Alors oui, parce que je ne pensais pas que leur prendre des rubans pour un mini-jeu était égal à voler comme si t'étais en dehors d'une mission. Donc oui, on a atteint la 10e mort, YouTube. Oui, j'ai le droit à un nouveau gage et à partir de là, ça va être compliqué. À partir de la 10e mort, je n'ai plus le droit d'utiliser de cannabis. Je développe, hein. Parce que là, comme ça, c'est pas fou comme idée. Je n'ai plus de droit au cheval. Donc mon cheval est annulé jusqu'à la fin de l'aventure, n'est-ce pas? Je pensais pas qu'il fallait aussi vite, hein. Alors attends. Ah ok, donc je suis allé à l'opposé. Ok, donc continue tout droit et va à droite. Et normalement il y aura une mission. Ah, cet épisode sera le meilleur ou le pire. Je vous l'ai dit, il sera pas long, hein. Ah parce que sinon ça va être technique. Ah mais attends, mais je suis pas du tout où je pensais en fait. Ok. Pourquoi est-ce que c'est aussi loin là, le carnaval il se poursuit pas jusque là?
Et ce coup, c'est moi. Normalement, il y a un monsieur qui devrait me proposer un mini-jeu dans le coin. Du style par là. Du style par là. Ah, c'est lui. Monsieur, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Les règles de ce jeu sont simples. Distancez vos adversaires, capturez le drapeau au centre du terrain et rapportez-le à votre position de départ pour marquer. Si votre adversaire s'est emparé du drapeau, assommez-le pour le récupérer. Soyez le premier à avoir capturé 3 fois le drapeau et le masque d'or sera peut-être à vous. Ok, on déconne pas, là y'a pas de raison que je perde là-dessus. Ou en tout cas, je vois pas. À moins que j'assassine un gars sans le vouloir, mais à partir de là, ça va être compliqué. Hein. Ce mini-jeu est trop bien. Ah ouais ? Triompher des autres concurrents dans un jeu de capture de drapeau. Let's go ! Let's go, let's go. YouTube, au fait, hésite pas, hein, description, tu peux nous rejoindre. Ah, attendez. Tout droit. Tout droit. Tu peux nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct parce que j'ai beaucoup d'avance sur toi. Hors limite, si vous restez hors limite trop longtemps, Ezio sera désynchronisé. Alors, where is le drapeau ? C'est quoi ça ? Objectif cible. Hein ? Pourquoi ça a changé ? Attends, pourquoi ça a changé ? Wesh, pourquoi ça a changé ? What ? Oh non, je sens que ça va être terrible. Il est où ? Il est où ? Il est... Quoi ? Attends. Oh, mais l'adversaire a drapé. Mais je l'ai même pas vu l'adversaire ! Mais what ? Attends, quoi ? Il est au sol ? Il est... Et quoi ? Hein ? La cible, c'est ton rival. Mais je le vois même pas ! Mais... Et attends, je veux au moins te voir ! Attends, tac, 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 tac. Ok. Par là. Je crois, hein, je suis pas sûr. Pas par là du tout. Oh, attendez. Attendez, je reste concentré. Je reste concentré. En fait, j'essaie de me faire la map dans la tête. C'est difficile là. Ok, si c'est par là. Si c'est par là. Attends. Il est jaune ou un truc de ce genre ? Hey, cowboy ! T'es où ? Attends, mais attends, mais c'est une dinguerie. Ce jeu sans minimap. Mais ouais, mais c'est un délire. L'adversaire a marqué 1 sur 3. Tenez-vous prêt pour la prochaine. Mais quoi? Mais j'ai même pas vu c'était quoi le jeu. Récupère le drapeau. Mais quel drapeau? Attends, mais c'est ça ou ça que je dois récupérer? Je suis perdu. Non, je pense que c'est le bleu. Par contre, la caméra, pas cool. Elle me met directement à l'envers, j'aime pas ça. Ok, bon, je vais foncer au bleu. Je vais foncer au bleu et puis on verra bien. Là, c'est là. Ok, j'ai perdu de la vie, c'est pas grave. Drapeau récupéré. On est là, on a capté. Sans minimap, tu arriveras pas. Bah bien sûr, j'y arriverai pas, vous allez voir. Vous allez voir, j'y arriverai pas. Dis donc. Ok, c'est tout. Ok, je pensais qu'il fallait vraiment prendre un truc, moi. Facile, franchement facile. À condition que je me fasse pas gauler par l'autre là. Ça va le faire. Non mais en fait j'ai paniqué parce que j'ai jamais vu mon adversaire. Donc forcément sans mini-up c'est chaud. Ça va, c'est découpé en manches. Oh non c'est super simple en fait. Ok. Mais en même temps moi j'arrive dans le jeu, je vois pas l'objectif donc je mini-map. Forcément au moment où j'arrive à l'endroit de la mission, l'objectif a disparu alors je panique, il est là. Il est là, je l'ai vu. Je l'ai vu. Par contre je l'ai perdu de vue. Damn, je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. Oh non, oh non. Il va me mettre un 2-1. Il va me mettre un 2-1, il est où? L'adversaire a le drapeau. Ah, couillonne, t'es où? Couillonne de toi. Où c'est vous? Je sais pas où il est. Oh, c'est un délire. Ah, par contre, quand l'adversaire a le drapeau, c'est chaud. Attends. Tac, tac. Ah bah, c'est fini, en fait. Il est arrivé, là. Il est au bout de la map. Où es-tu? Il est en train de grimper. Non mais c'est mort, non mais c'est mort. Ok, Kazma, tu peux consommer à nouveau des remèdes. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'était juste la dernière fois qu'on avait pas eu de chance. Hein. Par contre, wesh. Je vais mourir. Non, c'est bon. Ok, c'est pas grave. Je vais y sacrifier une vie. Je vais y sacrifier une vie à chaque fois. Ah ! Mais c'est la seule chose, oulala, qui me permette d'être sûr d'avoir le drapeau.
faut que je me foute en l'air. Je pensais pas dire ça. Ah, c'est incroyable. Ah, ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un petit truc, moi j'aime bien. Eh, ils sont cool, hein. En vrai, t'imagines s'ils avaient déplacé le drapeau. Franchement, s'ils avaient mis le drapeau autre part, j'aurais été dans la merde. 20 minutes sur ce jeu, sauf si on remet la minimap. Non, 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 franchement, vous êtes dur. Franchement, vous êtes dur, regardez. Par contre, ça m'étonne, il n'y avait pas la roulade normalement dans le jeu. Regarde, tu te fous en l'air un peu. Et, hop là. Voilà, je l'ai mon troisième drapeau. C'est bon, c'est bon. Écoutez, à raison de un genou sacrifié à chaque fois. Bah j'ai fait les deux dernières manches. Bonjour, bonjour, bienvenue. C'est le pire épisode. C'est le pire épisode, on le savait, hein. On le savait très clairement. On a eu un game over. Et on en est à 22 minutes. Incredible. Non mais je crois qu'on va faire juste ce carnaval en fait. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Yes. Et de deux. Nous avons un vainqueur. Vous avez défendu votre drapeau et capturé celui de l'ennemi. Vous avez prouvé que vous étiez un guerrier hors pair et vous vous rapprochez un peu plus du sac ultime. Tu vois, ils savent. Tu vois, ils savent, je t'avais dit. Je t'avais dit. Ils ont capté que c'est l'assassin qui auront le masque d'or. Hein. C'est ça qui va me tuer. Hein. Ok. Dernier mini-jeu, messieurs, dames. Et ensuite, c'est Marco. Notre cher Marco. Notre cher Marco qui sera sûrement très difficile à assassiner. Surtout que là, à mon avis, le scénar va savoir que j'ai le masque. Et alors, soit ce sera facile justement, parce que si le scénar sait, c'est le scénar, donc j'ai pas le choix que de faire la mission et de l'accomplir ainsi. Par contre, si je dois être full discret en sachant ce qui se passe, ce sera plus dur déjà. Soyez le plus rapide. Tac. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Benvenuti, bienvenue à tous. Serez-vous capable de vous surpasser dans un jeu de vitesse et d'endurance? Nombreux sont les défis qui vous attendent. Ce jeu est fort simple, mais aller jusqu'au bout est presque impossible. Partez quand vous voulez. Le premier concurrent qui battra le record de la course pourra espérer décrocher le masque d'or. Oh allez, pitié. Pitié. S'il y a un des trois défis que je peux first try, c'est celui-là. Terminez la course et battez le record de vitesse détenu par le concurrent précédent. Juste, il faut que ça soit indiqué à l'écran. Genre avec des balises blanches et tout, machin. Partez, allons-y. Ok, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par contre, je vous le dis, hein, si je vois plus le point devant moi, c'est minimap. Ok, ah, je vois plus le mini-point. C'est bon. Oh non. Oh, ça part sur de l'escalade. Ok, c'est à partir de là que ça déconne. Attends, je vois le point toujours. Ça va le faire. Ça va le faire. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Kazma Auditore. Let's go. Ça va, ça va. Alors honnêtement, on pourrait croire que c'est simple, hein, parce que oui, la phase du carnaval, tout le monde la connaît, tout machin. Je rappelle que j'ai pas joué au jeu depuis genre 7-8 ans. Hein. Donc ce qui est facile pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Ah, par là. Ok, tacotico, tu par là. De toute façon, il n'y a pas de raison que je perde cette phase-là. C'est la plus simple. Eh, hey, ce mini-jeu, il a littéralement été fait pour moi. S'il te plaît. Ok, perfect. Quoi? Quoi point? Quoi point? Point rien du tout. J'ai même pas ralenti. C'est où? C'est où? C'est là. Ah, let's go. Ok, par contre la musique est magnifique, hein. Ok, il est bien ce mini-jeu. Go. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Putain, c'est pas fini. Allez. Allez. C'est bon. Oh. Ok. Ça fout la pression quand tu sais pas. Le vainqueur. Vous venez de prouver que vous étiez l'homme le plus rapide de tout Venise. Continuez comme ça. La récompense suprême est à portée de main. Alors oui, c'est pas fini. Attendez, j'ai fait 3 défis, il n'y en avait pas 3. Il y en avait 4. Ah, il vient d'apparaître. Ok, d'accord. Bon, ça pue, hein. Les Templiers savent. Les Templiers savent, j'ai vu que la mission est à côté du médecin. Le médecin, il était... Ah, ah, il était là, le médecin. Approchez, approchez, entrez dans l'aile. Oh, ça va, si c'est une bastonnade, ça va le faire. Ce jeu est simple, il n'y a qu'une règle, aucune arme n'est autorisée.
combats vont se succéder, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que ce sera toi ou toi? Qui remportera le masque d'or? Alors, je veux pas trop m'avancer, mais pour le moment, pour les mini-jeux, on s'en sort pas trop mal. J'espère que pour Marco, ça va le faire. Vraiment, je panique pour la phase d'après, en fait, parce que je me dis que là, depuis tout à l'heure, on s'amuse et que ça le fait, tu vois. Alors, tricher n'est pas jouer, triompher de tous vos adversaires à la patate! À la patate! Patate kawaii. Allons-y! Ok. Oh, ça va, c'est les gardes. Ok. Ré! Ça, c'est fait. Allez, Royal Rumble! Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, merci. Je voulais le saisir, le copain. Non, ça va. Franchement, la patate. Voilà. Et de deux. Venez, 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 venez. Vas-y, viens, mon copain. Alors, par contre, le gars en armure, j'ai jamais eu l'occasion de le faire réellement à la patate. Parce qu'on avait un défi lié à ça dans un épisode. Ouais, bah, en fait, tu bourres, quoi. Ok. Je peux le saisir ou pas? Ah, je peux le saisir! Incroyable! C'est tout! Popopo! Popopo! Montre-lui ce qu'il en coûte de se surestimer. Ah merde! Ah merde! Alors attends, là j'avais un contrat pas prévu. Triompher des Dante Moro. Mais vu que c'est une cible, ça vous dirait pas, on se le fait? Genre on se le fait normal? Eh, c'est moi, ils sont nuls les mecs à la patate là. Et ils sont méga nuls. Mais les gars, je roule sur qui je veux. Tiens, mange! Je l'ai ridiculisé. Je suis fan. Je veux déclarer vainqueur. Ah, voilà d'autres combattants. Alors, je les reconnais. Ça, on oublie les règles, hein. C'est les coureurs des tombeaux, hein. Je les reconnais, hein. C'est les mecs un peu vénères, tu vois. Oh, ils ont des couteaux. Oh, les salauds. Ouré! 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 Bah, tu sais quoi? Eh, tu veux jouer, on va jouer. Vas-y, venez. Venez, 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 venez. Voilà, nique ta mère. T'avais qu'à jouer réglo. Hop. Voilà. Attends, lâche le couteau. Ah! Lâche le couteau. Lâche le. Bon, d'accord, c'était pas prévu. Excusez-moi, attendez. Lâche le. Attends. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pardon, excusez-moi. On reprend. Donc. Le problème des coureurs, c'est que tu peux pas les saisir, je crois. Ah, si, tu peux! Incroyable! Ré! Allez, viens! Ré! 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 Mange! Salopard! Fils de... Et voilà, on est bon! Ça veut dire quoi? Les armes sont interdites qu'elles soient corrompues, totalement. Toujours pareil. C'est une victoire! Le célèbre jeu du carnaval s'achève sur une note glorieuse. Notre vainqueur va venir chercher son masque d'or! Notre vainqueur a prouvé qu'il était le plus rapide des coureurs, le plus fort de tous les champions, le plus fin des stratèges et clairement le favori de ces dames. Avec 4 épreuves remportées à la loyale, le vainqueur du masque d'or est... Le vainqueur du masque d'or est... Dante Moro! Félicitations! Nous te disons à ce soir. Oh les sacs! Oh les sacs! Ah ouais, d'accord. Ah bah du coup j'ai un problème là. Faut que je me fasse Dante Moro avant Marco. Et elle m'embête un peu la nouvelle petite bande là. Ok, c'est à nouveau dans l'église. Dans la sainte église! J'arrive, mère! J'arrive! Sœur Gros Néné! Sœur Gros Néné! Oh! Je suis content de revenir à la maison. J'ai péché, ma sœur! Laissez-moi me purifier! Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Silvio allait tricher. Vraiment? Ma sœur, vous vouliez qu'on vous prévienne si on apercevait la crapule qui a reçu le masque d'or. Il est en route pour la fête du Doge. Parfait. Je vais le rattraper avant qu'il arrive et lui reprendre le masque. Comment? Tu vas le tuer, lui aussi? Oui. Tu sais ce qui est en jeu. Non. Si tu le tues, ils annuleront la fête. Et Marco ira se réfugier dans son palais. Nous avons perdu assez de temps. Contente-toi de voler le masque. Discrètement. Les filles t'aideront. Elles sont en route pour assister à la fête. Tu les verras en chemin. Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque. Va bene, ça me convient.
Je n'avais le droit qu'aux courtisanes et le jeu ne me donne que les courtisanes. Ça, c'est beau. Coup de tonnerre, voler le masque d'or à Dante Moro pour accéder à la fête et assassiner Marco Barbarigo. Ah, t'as de la chance, Dante. T'as de la chance. Prochaine fois. Bon, alors, attends. Trouver Dante. Voyons voir. Ça doit pas être trop loin. Ok, ouais, il est littéralement à côté. Ok. Il me faut des courtisanes. Non, pardon. Des bonnes sœurs. Il me faut des bonnes sœurs plein d'arguments. Ah, mesdames. Allons-y. Non, franchement, on a de la chance. Hein. Genre, il y a vraiment qu'un seul groupe qui peut m'aider actuellement, c'est les courtisanes. Et je me tape les courtisanes. Enfin, je veux dire, on est noise. On est noise. Alors, le délire étant, c'est qu'on est dans la zone. Ok, alors, comment ça va fonctionner? Où est notre cher Dante? Parce que le problème, c'est que le quartier, il y a un bâtiment en plein milieu, donc... Donc ça va pas être facile. Messire Dante, où êtes-vous? Ta cible s'appelle Margoulin, quoi? Comment ça, ma cible s'appelle Margoulin? Hein? Mais non! Mesdames! Arrêtez de... Bon bah d'accord. J'ai perdu une brochette de dames. Ah non! Elles ne sont plus pures! Elles ont été souillées! Il m'en faut des plus fraîches. Je capte pas, il est... Oh, il est là! Oh, il est là! Faire diversion. Faire diversion. Ok. Ok. Ok, casse-toi. Casse-toi. Let's go! C'est tout? Incroyable! Incroyable, c'était facile! Oui! Invitez-vous à la fête! Ah, ok, ça enchaîne! Alors attends, fête. L'opposé. L'opposé. Pouah, ça s'est tellement bien passé! Ça s'est tellement bien passé. Je m'attendais vraiment à une phase où ça allait être compliqué à gérer, mais... Ok. Il m'a fait... J'ai entendu un swing. J'ai paniqué. Je me suis... Oh non, c'est le fail. On est bon. Eh, j'ai pas été repéré. Hein, on a juste entendu un swing. Un margoulin est une personne qui est faux. Non, mais je sais ce que c'est un margoulin. Merci. Mais c'est juste que... Je suis en train de me transformer en Roronoa, moi. Qu'est-ce qui m'arrive, là? Attends, je vais pas du tout au bon endroit. Attends. C'était à gauche en tournant à Paris? C'était à gauche en tournant à Paris. Ah ouais. Ah, c'était à gauche en tournant à Paris. Ok. Ah non, donc je dois repasser devant. Oh non, horrible. Mesdames, suivez-moi, pitié. Voilà, cover me. Attendez, je le fais en marchant. Voilà. Voilà. Faites la Gestapo, tout ça. On est nice. Forgeron. Tant que je suis de passage. Non, pistolet, je m'en fous. Voilà, j'ai plus de bombe fumigène. À votre service. Parce que tout à l'heure, je les ai tous utilisés pour le début. Oh là 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 là. Eh, l'air de rien, il n'est pas évident cet épisode, hein. Ça le fait, tu vois, ça rajoute un petit truc. Mais en même temps, complicado. En même temps, j'aime bien mes défis, ils tombent toujours au bon moment. Mesdames, suivez-moi par contre. Un effort, s'il vous plaît. Allez, on trotte. Hop, sinon je vous remplace, hein. C'est pas comme s'il y avait vos sœurs partout, hein. Les sœurs des sœurs, lol. La fête, je crois que c'est là. Est-ce que c'est ici, la fête? Est-ce que c'est ici? Yes, c'est ici. Alors, bienvenido. Attention, nouveau masque. Ah, voilà, c'est mieux. Les boulots. Alors, par contre, voilà, range ton arme, hein, arrête de déconner. Très bien, j'ai plus mes courtisanes. Alors, destination. Bon. Va falloir jouer carré, hein. Va falloir jouer carré. Je suis obligé de passer par les gardes, je suppose, c'est une genre d'autorisation. J'ai pas mon pass sanitaire, par contre, je préviens, hein. Bonjour. Ah, c'est bon. Buonasera, signore. Ok. Merci beaucoup. On est bon. Ouais, ce masque-là, il a de la gueule. Oh, hello. Ah, attends. Deux petites secondes, parce que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur notre cher et tendre Théodore. Pardon. Théodora abandonna son nom de famille avant d'entrer dans les ordres, mais les archives des impôts de Venise indiquent qu'elle a grandi dans la famille Contanto. Elle travaillait comme vendeuse dans la bijouterie qu'elle tenait de ses parents, où elle assistait sa mère. Est-ce que vous aussi vous avez remarqué que les femmes ont un profil plus étendu que les hommes?
Marco est à bord d'un bateau. C'est la troisième que j'étudie et la troisième qui... En attendant, mêle-toi aux filles. Déplace-toi avec elles pour ne pas te faire repérer. Ouais, c'est la troisième que j'étudie parmi tous les persos, là. Et à chaque fois, ça se passe bien. Ok. Mêle-toi à la fête, utilise les filles. Allons-y. Je peux ou pas, là? Ah, je peux pas les prendre! Oh, d'accord! Oh, ça va être showtime! Ah, attends, ils ont dit quoi? Ils ont dit Marco, il est sur un bateau. Ok. Damn! Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur. Oh, ça va être dur. Théodora! T'abuses? T'abuses, je fais comment? Les ennemis, ils tournent! Allez, 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 allez. Est-ce que je peux me mêler à un groupe de gens? Est-ce que je peux me mêler à un groupe de gens? Pitié. Ok, je crois qu'on est bon. Ah merde, j'ai été repéré! Trouvez-le. Oh, je suis dans le cacamou. Oh, je suis dans le cacamou. Oh, je suis dans le cacamou. Pousse-toi! Pousse-toi, c'est pas le moment. Pousse-toi, c'est pas le moment. Pousse-toi, c'est pas le moment, pitié. Ok. Pardon, j'arrivais pas à remettre ma... Cam, oui, alors... Juste par contre, en termes de discrétion, c'est zéro, quoi. Bien. Où est ma cible? Ma cible est pas là. Ma cible est pas encore arrivée. Me dis pas, faut que je t'empo. Eh, s'il faut que je t'empo, c'est mort, je bouge pas. Hein. Là, je suis bien, là. Il sait se mêler à la foule. Ah bah oui, ah bah, bien sûr. Avec un peu d'argent, n'importe qui se mêle à la foule. Vous avez perdu la faction. Oh non, oh non. Oh non. Ok, tout va bien. Ah! Mesdames! À l'aide! C'est bon. C'est bon. Arrêtez de m'embêter! Arrêtez de m'embêter! Attends. Attends, je vais faire un truc là. Je panique! Je panique! Je panique! Le jeu, il met des coups de pression là! Ok! J'ai dû jeter de la thune à son plein milieu d'une teuf! Ça va pas du tout! Veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise! Benvenuti! Bienvenue, mes amis! Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison! Qu'elle soit en paix ou en guerre, qu'elle soit prospère ou dans la misère, la cité de Venise aura toujours son carnaval! Merde! Il reste à bord du bateau. Conseils, ils t'auront vite repéré. Ok, bon, YouTube c'est compliqué, hein. J'en suis déjà à deux morts. Attends. Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre projet. J'en suis à deux morts et en vérité, en fait, ce passage je l'aime pas. Je l'aime pas parce que je t'explique après, mais en gros, il est un peu mal foutu, je trouve. Bien sûr. Ton pistolet, celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment et personne ne remarquera ce que tu as fait. Bah alors go! J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. C'est une victoire! C'est une victoire et je t'explique juste après pourquoi j'aime pas ce passage YouTube. Non! Il est trop tôt! Je ne suis pas prêt! On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. C'est une victoire! Suivie. Ah! Attention! D'une course pour survivre. Allons-y. Let's go. Ouais, j'ai pas trop aimé ce passage pour la simple et bonne raison que, en fait, quand j'ai atteint la première fois Marco, Théodora m'a dit de tirer. Donc moi je me suis dit ok, je vais attendre le moment opportun. Le moment opportun c'est quoi? C'est un petit signe, quelque chose qui te dit c'est maintenant. Tu vois? Ah, je suis encore dans le secteur. Ah mince, attendez. Effectivement, je suis encore dans le secteur. Ça, je suis à la limite du secteur par contre, hein, vraiment. Ouais, je m'attendais à ce qu'il fasse un geste, à ce qu'il dise un truc en particulier, à ce que le feu d'artifice énerve un petit peu. En fait, la situation a pas changé. Ouais, je me suis fait repérer et c'était con en fait. Je sais pas. En fait, il y avait pas le petit truc qui te laissait savoir que c'était maintenant qu'il fallait agir. Ça m'a un peu agacé. Enfin bref. On a réussi cette mission, messieurs dames. Par contre, on y a lâché deux morts. On y a lâché deux morts. Trois.
3, parce que du coup j'ai fail pendant un défi, j'ai fail au coup de pistolet, et tout à l'heure en relançant, je me suis fait gauler par un garde au moment d'attendre Marco à la fête. Est-ce qu'on est bon? Il semblerait que... Ah! Ce soit quasiment fini, par contre je dois aller rendre des comptes. Ah, compliqué ce passage. Ouais, je sais pas. Dans l'idée, je l'ai bien aimé en fait, mais je sais pas. En même temps, pas plus que ça. C'est dommage. Je suis pas sûr qu'avec l'HUD, je l'aurais plus apprécié. De souvenir, le carnaval était plus rigolo. Là, ça manquait d'un truc. La dernière partie où tu voles le masque, ok. Les quelques défis, ok. Pourquoi pas, c'était cool. Avec ou sans HUD, franchement, ça le faisait. Un peu compliqué de capter ce qu'il faut faire et tout. Pour les rubans et pour la capture de drapeau. Mais après, tu vois, tu passes après, quoi. Tu le refais, et puis... tranquille. Eh, hey, messieurs, lâchez mes demoiselles, s'il vous plaît. Ce sont des saintes. On ne touche pas à mes saintes. Ouais, je sais pas. En fait, non. La mission en elle-même était cool. Juste, j'ai pas aimé la dernière partie qui te donne pas d'informations sur quand tu peux détonner. Et quand tu peux y aller pour de vrai. Bon, allez, on retourne à la casa, messieurs, dames. On retourne à la maison. Est-ce qu'on est bon? Oui, on est bon. Ah, le défi à voler les rubans auprès des demoiselles, je le trouve cool. Non, mais après, dans l'idée, ils étaient tous cool. Ok. Enfin, ce calvaire est bientôt terminé. On en est à 50 minutes, c'est terrible. C'est par là au moins? Et pas par là. Je me disais que j'étais en train de me barrer là où fallait pas. C'est par ici du coup. Est-ce que c'est par là? Non. Alors attends, je me perds un peu toujours. Merde, c'est par où? Attends, je vais totalement à l'opposé là, on est d'accord. Donc c'était vraiment par là? Je crois que c'était vraiment par là. Ok, on va s'en sortir. Mesdames, venez avec moi s'il vous plaît. Allons-y. Ah, j'avais dit hein. Pas le meilleur épisode, pas le pire, mais franchement, c'était chaud quand même. C'est bon, je suis rentré. Ah, Antonio, Teodora, Rosa, Emilio, qui que vous vouliez. Mais non, je me suis fait gauler à la porte. Sérieusement les gars, oh, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Oh là là là. Non, terrible, franchement terrible. Allez! Bah ouais, mais il y a des gardes juste à côté de ma base, quoi, sérieusement! Oh, de toute façon, j'ai lâché 3 morts, hein, c'est ce que vous vouliez, vous êtes contents, j'espère! Greux! C'est quoi les défis à partir de là? On en est à 12 morts, donc attendez, il faut que je fasse un point. Mais il y a des défis qui vont s'engager différemment. Parce que du coup, maintenant, j'ai plus de cheval. Ça, c'est clair. Par contre, à partir de 11. À partir de 11. Tac. Non, c'est bon, j'ai rien. Non, pardon, j'ai rien. Non, c'est bon, on est arrivé là. Oh, je peux pas recommencer la mission alors que j'ai tué la personne. C'est bon. C'était remarquable. Quel spectacle, mais quel spectacle. Un vrai héros. Tu dois être épuisé. Viens, détends-toi. Ah, le sauveur de Venise. Je ne sais pas quoi dire. J'avais tort de douter comme je l'ai fait. Après tout, nous verrons bien ce qu'il en ressortira. Ça suffit maintenant. Tu as eu une rude journée. Ton corps est fatigué. Il a besoin de confort. Et de réconfort. J'ai mal partout et je souffre le martyre. J'aurais surtout besoin de réconfort et de chaleur humaine. Oh, ça peut s'arranger. Les filles? Je crois que c'est pas exactement ce qu'on voulait au menu. C'est une victoire. C'est une victoire dans la défaite. Bon, et c'est aussi une fin de séquence incroyable. YouTube, cet épisode était terrible, mais il est terminé. Je l'ai redouté pendant toute une journée. On est bon. Fin de séquence mémoire 9. Des bisous.